Voici le pont de Chinéga, 270 mètres pour enjamber la Vispa et des travaux hors normes qui ont débuté en juillet 2017 et qui coûteront au total près de 65 millions de francs. La construction de l'ouvrage s'est faite étape par étape. En ce moment, nous sommes en train de bétonner le pont. C'est la quatrième et dernière étape, comme vous pouvez le constater. Tout se déroule comme prévu. Pourtant, les défis sont nombreux. Il faut tenir le calendrier, les délais, gérer les équipes. Mais au bout du compte, tout se passe à merveille. Le pont Chinéga est un maillon de mobilité essentiel pour la région. Fin juin, les travaux de bétonnage se sont terminés pour laisser la place à l'automne au goudronnage de la route. Le pont Chinéga fait partie de la future route de contournement du village de Stalden. Ce nouvel accès est construit pour des raisons de surcharge de trafic au cœur du village. Au quotidien, environ 8500 véhicules emprunte ce passage. À cet endroit, la route est très étroite et raide. Le pont, lui, représente une partie de ce nouveau tronçon routier. Un volume de trafic important qui peut grimper jusqu'à 15 000 véhicules par jour en haute saison. La notoriété des stations de Zermatt et Sassfe y est pour beaucoup. Au milieu d'un panorama à couper le souffle, perché à 60 mètres au-dessus du vide et posé sur deux fins piliers, le pont est aussi aérien qu'élégant. Nous avons examiné beaucoup de variantes. Nous avons eu des projets avec un seul pilier. Finalement, nous avons cherché une solution qui se devait d'être harmonieuse avec ce paysage magnifique. Letztendlich hat man eine Lösung gesucht, die in dieser fantastischen Umwelt. Nous avons construit cette infrastructure de manière très discrète. Ce qui peut paraître bizarre pour le grand public, c'est que le béton est une manière ductile, le pont peut s'étirer, il est souple. Du coup, la structure encaisse bien les secousses sismiques. Le pont répond aux dernières normes en la matière. Aujourd'hui, quand on regarde ce pont, les proportions sont respectées, son aspect extérieur fait preuve d'une certaine retenue, le paysage est mis en valeur. Nous n'avons pas voulu créer un monument lourd, mais une structure réduite à l'essentiel, et c'est justement cet essentiel qui rend ce pont élégant. En plus du pont, une tranchée couverte et un viaduc sont en cours de construction. La future route va serpenter dans un terrain difficile d'accès. L'ouvrage de Chinéga devrait être terminé pour la fin de l'année. Le canton espère inaugurer l'ensemble de la route de contournement pour 2023. Une fin des travaux attendue avec impatience par les habitants de la région. Une échéance synonyme de nuisances sonores réduites et de pollution de l'air limitée.